Coucou tout le monde, on se retrouve ce week-end pour une petite vidéo, pas longtemps, en cartomancie, concernant toujours le petit Émile. Donc je ne ferai plus de vidéo en écriture automatique. Par contre, moi je m'interroge sur ce que j'avais sur ma dernière écriture automatique. Et sur ce que dit ce fameux major, que c'est un accident de voiture qui a fait disparaître le petit Émile, s'il vous plaît. On va prendre le temps d'analyser, se projeter, voir de loin, un objectif, un projet. Et on a des gâteaux. Célébration des gâteaux. Alors, prendre le temps d'analyser ce qui s'est produit. Ok. Se projeter. Se projeter sur une fin de contrat, sur une défaite. Ok. Un objectif, un projet, ça va être d'évoluer, de réfléchir. Et donc, ce fameux gâteau qui a brisé le cœur. Donc, j'ai un cœur brisé. Le poison camouflé, hein, c'est marqué pour le gâteau. Et le cœur brisé. Parce que c'est un accident de voiture. On va prendre le temps d'analyser ce qui s'est produit et j'ai un atelier, un lieu de travail. Ou une production. Se projeter sur une défaite, donc on a la détermination hein, de travailler là-dessus. Bah oui, parce que il n'arrive toujours pas à savoir la réalité des choses. L'objectif, le projet, c'est d'évoluer donc sur la. Vous ne voyez pas mes cartes. Sur la fin. Sur la fin. Okay. Alors voilà, j'ai trahison, cœur brisé et le poison camouflé dans un gâteau. Ce ne sont que des cartes. Ok. C'est un accident. Donc la découverte. La communication dans les journaux. Faire fonctionner ses relations. Demander de l'aide. Et l'interrogation et le doute. Alors la découverte. La découverte, oui, l'arrivée de quelque chose, une découverte. La communication. La communication sur la santé, donc ça parle du corps. On va créer et demander de... Soit on va créer des activités à plusieurs parce que j'ai le jeu de société. On va faire fonctionner des relations. On va créer plus de choses là pour. Voilà, on a le doute dans la famille. On a des interrogations hein, dans la famille. La tristesse, bien évidemment. Hein, sur la découverte, donc je pense que c'est la randonneuse sur l'événement, la nouveauté qui est apparue. Voilà, beaucoup de tristesse. On a beaucoup d'échanges. Voilà, beaucoup d'échanges par rapport au corps.
la vitesse en cas de déplacement. Voilà. Alors, on me parle des traitements, des drogues, de l'addiction. Alors, on va peut-être demander de l'aide par rapport à des experts qui sont dans les recherches. Enfin, ça ne veut pas dire autre chose, forcément. Ils perdent leur repère, hein, la famille est dans le doute, dans l'interrogation. Ils perdent leur repère. Voilà. Ils sont toujours. La réalité n'est pas ce que l'on croit, l'évolution mentale. Et oui. On a l'intrus. On a l'intrus. On a les armes, le combat, la responsabilité. On a vivre la paix et la tranquillité. Et on a la consultation, demander de l'aide. Les origines du passé, intrus, cohabitation difficile, actes aux lourdes conséquences. Sur des contacts et des relations du passé. Oui, face au combat, ils sont obligés de changer et de s'adapter. Certainement la famille. J'ai quand même quelque chose qui dissimule la vérité sur quelqu'un qui vivrait en paix avec sa tranquillité. Et dissimule une vérité. J'ai la consultation pour demander de l'aide, une envie. Hein, une envie. Alors on est sur une amitié. On a quelqu'un qui est connu de cette famille et qui peut être proche, qui est l'intrus. On a la justice qui évidemment continue le combat. Hein. On a quelqu'un qui ne dit pas la vérité donc, et qui vit la paix, la tranquillité. Et qui se met à l'abri. On demande de l'aide, on demande une consultation par rapport à des envies, des préférences. Changer de camp. Mmh. Vous aussi, hein, les cartes vous aident pour connaître un peu, pour déceler un peu ce qui s'est passé. On a des difficultés, être dans le besoin. On a la boussole, ne pas tenir en place ou explorer les alentours. On a le déplacement. Difficile à approcher, ne pas réfléchir aux conséquences. Alors, être dans le besoin. On a le cadeau pour être dans le besoin. Les alentours, les lieux, la campagne.
Ok, donc là, ça nous parle de la maison des grands-parents. Ok. Le déplacement. Alors, on me dit que par rapport à la disparition, impossible de faire évoluer la situation. La beauté dangereuse. Alors là, on est sur ne pas réfléchir aux conséquences par rapport à une relation dangereuse, un empoisonnement. Préparer à affronter les difficultés pour la personne qui est dans le besoin et qui a besoin qu'on lui donne des choses. On continue. Donc, cette fameuse maison, ce lieu. On parle de témoignages, des preuves, du passé et des souvenirs. Oui, mais moi je veux en savoir plus. Alors la carte du nom ne va pas trop m'intéresser. Par rapport à un partage et un échange. Il me semble qu'il y a eu dans leur passé une maison secondaire qui a pris feu. Et du coup, donc les mémoires, ça nous fait parler du passé. Le passé, un accord du passé dans une résidence secondaire. Et la boussole, c'est le lieu, les lieux, visite, exploration. Ok. Alors, partir, se déplacer, blocage, retard. Un trésor. Bon. Avec la richesse des informations également. Ici, on a quelqu'un qui est dans le besoin. Qui est dans le besoin, qui se prépare à affronter des difficultés. Sur un événement inattendu. Et là, on a quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences par rapport à une relation dangereuse. Et on revient sur de l'argent. Je pense que ça nous fait parler de ce qui s'était passé dans leur ancienne maison qui a brûlé je sais pas quoi là, ou de leur maison secondaire. Ça, c'est l'événement. On a tourné la page, la fin d'une situation. La quête vers la santé, retrouver la paix et se regarder devant un miroir. Alors, la fin d'une situation par rapport à la disparition, la quête vers la santé, prendre soin des autres, s'entretenir chaque jour. Il y a un peut-être, on va le garder celui-là.
d'un trajet. Ah, se projeter peut-être pour être bien. Alors, on a un soulagement par rapport à on a soit porté un poids, on a la marche, la randonnée, un soulagement. Par rapport à une observation qui a été vue. Oui, donc la randonnée. On parle de la randonnée, ok. En fait, il y a un soulagement d'avoir déjà récupéré des éléments. On a du mal à se regarder en face. Des intuitions. Non, j'ai le oui. On a du mal à remonter la pente. Oui, donc là on revient. Donc la fin d'une situation, tourner la page, oui, mais on n'a pas tout retrouvé non plus. Se mettre à distance, s'isoler. On balaye, on nettoie. La stratégie, quelque chose de soudain. D'un couple, d'une passion. Alors on balaye quoi? On balaye les ragots, les débats, une stratégie. Une stratégie qui va grandir. Quelque chose de soudain. Alors quelque chose de soudain, le conflit, la colère, l'électricité, ce qui ne dure pas, se résilier. Et à côté, j'ai la sieste. Remettre à plus tard. La sérénité, se rassurer. Ah, peut-être se rassurer. Le déclic, une dispute, je ne sais pas. Il faut voir plus. Il y a un monsieur âgé qui perd la raison, qui perd la passion, qui se met en repli. Alors donc, on va balayer, j'ai dit, les négociations, les désaccords, les échanges, on nettoie. Pour redémarrer les choses, l'enquête certainement, c'est le début, la stratégie qui va mûrir à l'été. Alors on a l'endroit se ressourcer, la nature en forêt ou proche de l'eau. Concernant le déclic, le conflit, la colère, ouais, ça m'en dit pas trop. Puis on va pas inventer des choses hein, si on sait pas. Alors, au printemps, oui, au printemps. Ouais. Bon, là, on a la personne âgée, ce monsieur âgé, cette femme, je ne sais pas, qui est dans le repli.
Voilà. On va rebalayer tout ça. On va reparler. On va redébattre pour la naissance d'une nouvelle situation concernant les gens méchants. On va élaborer une stratégie. Donc ça, c'était une méthode qui va mûrir au fur et à mesure, donc cet été, concernant des mensonges ou concernant le moment de la séparation par rapport à la disparition du petit garçon. Être entré en contact avec une personne néfaste, avoir la blessure émotionnelle, se sentir esclave, bloqué, emprisonné, trouver un chemin, l'hésitation, le doute et l'opportunité, c'est le choix. Alors, être entré en contact avec une personne néfaste. On fait voir une forêt, dans la forêt. Alors, ça se peut qu'en écriture automatique n'est pas bonne. Hein. J'ai jamais dit que je savais toutes les vérités. Hein. On a une blessure émotionnelle, des apparences trompeuses concernant une amitié. On l'a vu au début. On l'a vu au début du tirage. On a fait confiance et on s'est retrouvé bloqué. On a trouvé un chemin. On a l'inspiration. On a la peur, l'angoisse sur être entré en contact avec une personne négative. Voilà. Une personne qui a fait peur. Qui a des fascinations macabres. Pourtant, on perd sa trace à la fontaine. Alors, c'est ça que je comprends. Oui, donc ça, c'est l'échec. Donc ça, c'est la famille qui a une blessure émotionnelle. On a fait confiance. On a fait confiance à cette personne avant d'être bloqué, enfermé ou attaché. Hein, c'est marqué. On va en dire plus. Oui, on discutait avec cette personne. C'est ce que les cartes me disent. Être dans les ennuis. Alors, on s'est retrouvé à un moment donné à faire un choix, peut-être sur le chemin. Il s'est inspiré, hop, d'une direction et c'est là qu'il y a eu des ennuis. Donc ça revient à ce tirage-là. Il y a de la joie, c'est intriguant. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'agitation. On est fier. On est orgueilleux. On va devoir démasquer un ennemi. Alors on est heureux. On est heureux de quoi? De recevoir, d'agir, de donner. Ah oui. Alors il y a autre chose sur cette carte.
On est heureux d'avoir été capable de tendresse ou vie. Voilà. C'est délicat les tirages. C'est pareil, non? Alors, j'ai la vie, j'ai les déplacements et j'ai l'empathie. Et quelqu'un qui est chef, dirigeant, quelqu'un qui a de la classe, qui a tendu un piège, qui a mijoté un plan. Voilà, on a la préparation de devoir démasquer l'ennemi. Et oui. Donc on est heureux. Il y a quelqu'un qui est heureux d'avoir fait ça. Voilà. Pour faire des problèmes. C'est incroyable. Bon, ben, je pense que la ville, le village, hein, il y a de l'empathie, on attend que ça se passe. Pendant une longue durée, on a mijoté un plan. Pendant une longue durée. On a les lieux sacrés par rapport à voir ses défauts en face. Alors, il y a plusieurs, hein, démasquer l'ennemi, l'orgueil ou voir ses défauts. Alors, ce qui dure dans le temps, on a les spécialistes, on a l'écoute, les rumeurs, on a les sentiments, les émotions. On a la patience, mais on se laisse aller, on se morfond. Ça regroupe, hein, plein de choses qu'on a vues avant. Le spécialiste, donc ça c'est spécialiste, professeur ou beau parleur. Par rapport à des étapes, à une feuille de route, à une progression, une évolution. Alors là, sur Louis, on peut apprendre un secret. Rester sous ses gardes, la voie sans issue. Les sentiments. Eh oui. Les sentiments de ne pas pouvoir aller plus loin. On a la tromperie. Oui, donc on a vu par rapport aux cartes que c'est une personne que connaîtrait l'entourage. Donc on a la tromperie, être négligé, causer une perte. La solution, un spécialiste, vous trouvez la solution, je l'espère. Ils vont se protéger quand même, tout arrêter tout de suite aussi, la voie sans issue. Peut-être qu'ils vont faire moins confiance aux gens maintenant. Et oui. Donc ça, on a le sentiment, les émotions, hein, par rapport à petit garçon. On ne peut pas aller plus haut. On ne peut pas tout maîtriser. On aurait utilisé toutes les cartes et je trouve ça bien de les utiliser. Bon, là,
on a l'agressivité, la méchanceté. Tenter sa chance, l'impuissance. Ah, on va rentrer dans des choses pas très belles. Relations fortes, toxiques, complications, embrouilles. Et les amis. Alors, agression, blessure, méchanceté, il y a une lettre. Tenter sa chance, changer. Dans les biens matériels, la demeure. Se protéger, la prudence. C'est la roue de la fortune, c'est aussi changer, ou des répétitions. Peut-être qu'on va changer notre vie et qu'on va se protéger, qu'on va être prudent. Les embrouilles, la relation toxique. Et à l'équilibre. Peut-être qu'ils ont fui une relation toxique pour retrouver leur vie calme, équilibrée. L'amitié. L'amitié, voilà. On a le renard, être malin, ne pas tout dire, s'infiltrer. On l'a vu dans les cartes tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a... Je vous fais voir. 132 cartes. Hein? J'aime ce jeu et je pense que j'en ferai. Oh là là. Par rapport à la blessure, l'agressivité et la lettre, nous avons un litige. Nous avons un litige, une séparation. Donc là, par rapport à changer l'impuissance, tenter sa chance, un détachement. Donc on en revient ici à ici, sur un détachement, pour changer et se protéger. Voilà, on en revient de là à là, par rapport à des complications du passé. Pour trouver un équilibre, c'est incroyable. Voilà, on parle de la propriété du terrain, devenir autonome. Alors il reste 3 cartes, et bien les 2 dernières, ce sera la fin de ce tirage. Donc là, nous avons. Une personne rusée, hein, le renard est rusé, il est malin dans l'amitié. Alors on se projette, on imagine, on se fait des films, ça je sais pas. Il y a une imagination sur ça. Que nous disent du coup les 2 dernières cartes concernant le petit Émile ? Nous avons la chance. La chance d'un événement. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon écriture automatique disait tout. On parle d'accident. En fait, on n'a pas réellement la réponse. Mais il y a quand même des choses qu'on sait. Voilà. J'espère de tout cœur qu'on saura la vérité, parce que ça traîne et ça traîne. Merci à vous et bon week-end.